Voilà, ça c'est le moulinet 9000 Longcast que j'ai acheté sur AliExpress. Et là c'est la canne Xtreme 9. La canne Xtreme 9, mais c'est celle de 10 pieds en 3 mètres. Et je vais lui mettre une tresse que je viens d'acheter sur AliExpress. C'est la J-Braid X8. C'est du 14 centième. C'est du 14,8 centième. Et ça vaut à peu près 8 kilos de résistance. Donc en fait, cette tresse, elle m'a été recommandée par un youtubeur. Donc je vais la tester. C'est une tresse hybride entre une 4 brins et une 8 brins. Il en a dit beaucoup de bien sur sa vidéo. Donc j'ai décidé de la tester. Et là, il y a 500 mètres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre que 250 mètres. Et je vais partager sur deux cannes. Donc mes deux cannes Xtreme 9 300 seront équipées de cette tresse 8 brins. Ce qu'il faut savoir sur la tresse, c'est que avec mon moulinet conique, il y a des fortes chances d'avoir des perruques. Donc ce que je dois faire, c'est de ne pas trop remplir mon moulinet. D'accord? Si je remplis trop mon moulinet, ben, je fais des perruques à chaque lancer. Par contre, il faudra pas que je remplisse trop à ras-bord, sinon ça va me causer beaucoup plus de soucis que de bienfaits. Donc ce moulinet, il est fait pour du 25 centièmes, 26 centièmes, 23 centièmes, 30 centièmes, mais en fait, j'ai en action de pêche, je préfère une tresse. Alors je vais mettre cette tresse J-Braid. J'ai déjà testé la tresse Josby, qui est aussi de bonne qualité. Il faut savoir que cette tresse, c'est pas vraiment du bas de gamme, hein, d'accord? Les 500 mètres, c'est quand même 12 euros. Voilà, je viens d'installer la tresse J-Braid de 8 brins en 14 centièmes. Je viens de l'installer sur le moulinet 9000. Donc, j'ai pas très bien rempli parce que si je remplis trop à ras-bord, ça va faire des perruques à la sortie. Donc, j'ai préféré le remplir que comme ça afin d'éviter tout emmêlage. Surtout que cette tresse, ça va être mon montage pour la pêche. Je pêche avec cette tresse. J'ai acheté des nylons en 26 centièmes, 23 centièmes pour faire des tests de lancer, mais en réalité, moi je préfère pêcher avec de la tresse. Donc, ça, c'est une tresse de 14 centièmes en 8 brins. Et je l'ai montée sur la canne Xtreme 9 300, celle de 3 livres 25. C'est celle de Kenny. Bon, j'ai mis sur cette canne de Kenny que je viens d'acheter il n'y a pas très longtemps. Elle est vraiment belle. Voilà. Et maintenant, je vais vous présenter sa grande sœur, la canne Xtreme 9 390. Celle-là, c'est la 3. 90, 3 livres 75. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique, cette canne. Cette canne, elle est vraiment magnifique. Elle est de très grande qualité avec des sertissages vraiment très beaux. Avec un double serrage en haut, en bas.